Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la Honda CB650R. Ce petit modèle là, très sympa, qui est très vendu, qui est accessible à tout le monde, du permis A2 au gros permis. On a 650 cm3, 95 chevaux de puissance. Bon, comme d'habitude, on va faire une présentation complète de la moto et ensuite on va faire un petit tour en ville, sur route nationale, départementale et petite route un petit peu. Là il fait beau. On en profite, on est en semaine, il n'y a pas trop de monde. On va se faire plaisir et voir ce que ça donne cette 650R. Allez, c'est parti, on commence par la présentation de la moto. Alors, sur l'avant, ici, nouvelle fourche 41 mm inversée, donc avec une suspension qui diffère un petit peu, mais qui va être très confortable sur tout type de route et tout type de défaut. Ça, c'est le top parce que les roadsters comme ça, on fait justement des petites routes de campagne et autres et on veut que ce soit confortable et beaucoup de gens les utilisent au quotidien. Donc, c'est top d'avoir du confort. Au niveau de la suspension, à l'arrière, on aura un amortisseur qui sera réglable en pré-contrainte. Donc, si on monte à 2 ou pas, ou selon le poids qu'on fait, on pourra le régler en pré-contrainte. Au niveau du freinage, on a étrier radial à l'avant, donc avec double étrier, double disque, et on a du 310 mm avec l'ABS à l'avant. Et sur l'arrière, on aura un seul étrier sur un disque de 240 mm avec l'ABS également. Donc, on a ABS avant-arrière, mais on ne peut pas déconnecter l'ABS. Au niveau des aides à la conduite, on aura également le HSTC chez Honda. Le HSTC, c'est le contrôle de couple, c'est un peu comme un ESP. Là, par exemple, dans des graviers, si je veux accélérer à fond, eh ben, ça va me brider pour justement pas que je fasse de glissade. Et c'est pareil, ça sera utile sur des graviers, mais aussi sous la pluie. Par exemple, si vous accélérez un petit peu trop fort, plutôt que vous faire une petite zipette de l'arrière, eh bien, ça va essayer de motricer sans que vous vous fassiez peur. Et ça, c'est un petit plus pour les gens qui ne sont pas forcément expérimentés, mais comme pour les plus expérimentés, parce que si on ne veut pas que ça glisse, et que ça glisse, souvent, c'est pas très marrant. Au niveau des réservoirs, 15,4 litres d'essence juste ici. Un réservoir qui est plutôt joli, hein, surtout avec cette couleur rouge, là où il ressort bien avec les paillettes et tout, c'est juste magnifique. Des entrées d'air qu'on a sur le côté ici, donc des deux côtés, qui donnent un style vraiment très sympa à cette moto. Là, ça donne un style un peu café racer. Donc, ce qu'on peut voir sur le site internet, on la présente un petit peu comme une sorte de roadster café racer. Et c'est vrai, parce que regardez, la selle ici, elle est toute petite, toute courte. L'avant, on a ce phare ici, full LED, qui est plutôt très sympa, qui donne ce style un peu justement café racer avec un compteur tout petit posé sur le dessus. Le compteur, on y revient juste après. Donc, la moto, en général, est plutôt petite. Elle est assez agréable. On a un beau ici. Frein arrière, très sympa. L'échappement qui est positionné ici, qui fait un son très agréable. Pour une moto d'origine, je trouve que c'est cool. Alors regardez, je vous le fais écouter de suite. Hop. Donc, au ralenti, il a ce petit son rauque caractéristique des 600-650 de chez Honda. Et quand on accélère un peu... Là, je n'ai pas dépassé 5000 tours. Et ça monte comme ça jusqu'à plus de 12 000 tours. Le son est quand même très sympa. Et même quand on roule, on le verra. Alors, j'essaierai de vous le faire entendre au mieux. Mais dès qu'on monte dans les tours, ah, et ça pousse et ça pousse. Alors, c'est en bas, c'est très calme. Et dès qu'on monte en haut, plus on monte, plus ça s'excite. C'est caractéristique du 4 cylindres. Et moi, j'adore ça. Au niveau des jantes, on a des jantes en aluminium. 17 pouces avant-arrière avec... des pneus en 120 à l'avant, 180 à l'arrière. La moto, elle sera disponible en 4 couleurs. On aura soit ce beau rouge, qui pour moi est la plus belle couleur, soit en gris, plus passe-partout, soit en bleu mat ou en noir mat. Au niveau du poids de la moto, elle fait 202 kg. Et franchement, quand on est dessus, on le sent très peu. La moto est très facile et même à basse vitesse, c'est ultra facile de la manier. La direction... Pareil, elle tourne toute seule la moto en ville, elle veut se faufiler partout. Et même sur petite route, eh bien on verra qu'on peut l'emmener vraiment très facilement. Les rétros qui sont sur le guidon ici, on a une bonne visibilité, ils sont assez grands. On a une bonne position sur la moto comme vous pouvez le voir. Donc les cale-pieds, hop là, les cale-pieds à l'arrière ici, situés assez proches. Par contre, quand on est à l'arrière, souvent on emmène madame, il faut qu'elle soit assez petite. Hein. La position est bien, j'ai le réservoir bien entre les jambes, je suis bien calé dedans. L'embrayage ici, très souple. Le frein, qui est plutôt bien. On verra pendant l'essai, assez progressif. On a le petit réglage juste ici. Toujours accélérateur par câble. On est bien sur cette moto.
Et donc le moteur, comme je disais, ici on trouve un beau 4 cylindres de 650 cm3 qui fait 64 Nm de couple et qui monte jusqu'à 95 chevaux et un peu plus de 12 000 tours pour le rupteur. Alors sur le côté, là on peut vraiment voir ce style vraiment compact de la moto et on voit que la selle elle s'arrête à peine au-dessus de l'axe arrière de la roue. Donc ça donne vraiment ce côté vraiment compact de petit roadster assez KFR et sœur qui est un petit peu à la mode en ce moment. J'aime vraiment bien. Et là, on voit vraiment le travail là ici qui s'est fait sur ce garde-boue arrière. Donc avec tous les détails et cette longueur qui devrait normalement bien protéger. Sur le côté, on voit bien donc, l'échappement à cet endroit-là. Les cale-pieds ici qui sont bien fixés. On pourrait les enlever facilement grâce à deux vis ici si vous ne voulez pas de passager. L'échappement juste ici. Qu'on pourra modifier si vous voulez faire un petit peu plus de bruit, mais franchement la sonorité est plutôt sympa. Moi j'ai rien de plus à lui demander. Alors effectivement, si vous voulez vous faire entendre ou vous amuser un petit peu plus, c'est sûr qu'un échappement ça fera plaisir. Sous la selle ici, donc on peut enlever juste la partie arrière avec le longement pour la clé qui est bien caché et hop, on la fait glisser. Elle sort pas forcément très facilement, mais ici on trouvera la petite sacoche ici avec un gilet et la petite trousse à outils. Alors concrètement, on ne pourra pas mettre de petits U ou autre, on pourra juste mettre un petit bloc disque. C'est déjà ça qu'on puisse le mettre à cet endroit-là, c'est pratique. Et la vue de l'autre côté, donc avec le sélecteur de vitesse ici, on n'a pas de shifter sur cette moto, mais au final l'embrayage est tellement agréable que ça ne me gêne pas du tout. Allez, je vous emmène directement dessus, point de vue pilote. Hop, on enjambe facilement et voilà sur quoi on tombe lorsqu'on est conducteur de ce joujou. Donc, le réservoir ici comme je vous disais. Hop, donc avec les deux couleurs, c'est bien fait, la finition est top. J'ai pas grand chose à dire. Les couleurs sont belles, on a notre beau logo Honda ici. On voit ici les entrées d'air là sur les côtés. Le guidon, donc avec un guidon street comme ça, on pourra le changer très facilement, ça c'est un plus également. Et le compteur, donc la clé, très simple ici. Hop, je tourne. Compteur ici, LCD. Donc on peut voir qu'on a les infos principales, hein, on a tout ce dont on a besoin. Le compte tour, le rapport engagé, la consommation que vous avez fait sur le kilométrage. Par contre, alors, sa petite chose, il faut appuyer ici. Lorsqu'on a les gants, etc., c'est pas pratique. J'aurais bien aimé un bouton sur le côté ou en haut. Donc, on peut sélectionner ici. Donc, par exemple, la vitesse moyenne, 56 km/h. J'ai roulé pendant 1h30 là, dernièrement. On a la consommation 0 à 100, 4,8 litres de moyenne au 0 à 100. Et le trip A, là, donc le dernier que j'ai remis à zéro, à 82 km environ. Ici, on a la vitesse en km/h, la température ici et l'heure. La température, on la voit pas énormément, mais bon, on s'en soucie peu. Le contour, j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus grand ou en ligne, parce que il faut quand même prêter assez attention au contour ici. La réserve d'essence, ici, pareil, donc en tout petit sur le côté. Mais ce qui est cool, j'aime bien donc déjà d'avoir les consommations. De nos jours, ça se fait de partout. Autant l'avoir sur une moto. Et à droite, donc ça c'est le traction control, donc le HSTC, le neutre, ça c'est le voyant d'huile, l'ABS. Et on a ici les pleins phares. Hop. Et ça c'est si on désactive, donc pour désactiver le HSTC, je reste appuyé là et ça me le désactive. Donc ça me met le petit voyant désactivé. Donc à gauche, ce grand rétro, comme je vous disais, la poignée, les appels de phare ici. Passer en plein phare de cette façon, l'embrayage donc, qui est très très souple, hein, regardez, à un doigt, les warnings qui me les activent, donc on les voit sur les côtés ici, le klaxon, il est assez fort, et les clignotants qui sont très très accessibles, donc de la main gauche, il est bien placé, comparé à certaines autres Honda plus récentes, c'est beaucoup mieux. Sur la droite, le coupe-circuit, je coupe, hop, la poignée de gaz avec donc les câbles, mon autre rétro, et pour démarrer, juste appuyer là, j'ai pas besoin d'embrayer, et là, je vous ai pas parlé des collecteurs ici, regardez comme c'est beau, donc avec les quatre tubes qui suivent comme ça, et juste au-dessus, le radiateur à eau. Ça donne vraiment un look très sympa, et surtout quand on la voit de face comme ça, avec les quatre tubes, c'est bien joli. Bon, je crois qu'il va falloir remettre le casque, les gants et y aller. Hein.
ça mérite un petit tour. Bon allez, plein d'essence fait, on va aller se faire un tour, donc comme d'habitude, avec tous les véhicules qu'on essaye sur la chaîne, on va commencer en ville, on va passer sur des petites départementales, nationales, donc on va faire du 50, du 90, du 70, 110, autoroute, et surtout, à la fin de la vidéo, je vous emmène sur des petites routes, voir là, on va vraiment s'amuser avec ce genre de moto, puisque c'est une moto plaisir pour moi, donc des petits virages, etc. sur les belles petites routes de campagne, vers Disney, et un petit peu plus vers là-bas, jusqu'à Meaux. On va voir ce que ça donne. Bon, on la démarre. Hop. Ah, le bruit de ce 4 cylindres, j'ai toujours adoré. Non, c'est vrai qu'il fait quand même plaisir. Bon, première. Et c'est parti. Hop. Il n'y a plus qu'à. Bon. Ce qui est top, c'est que c'est vraiment facile à prendre en main. Ça met pas d'à-coup. C'est doux, c'est souple. À basse vitesse, elle est ultra maniable comme moto. On va le voir un petit peu en ville là. Ça se manie vraiment tout seul. C'est fait pour être un vélo en fait, cette moto. On a une bonne position. Moi, je touche bien les pieds par terre. Ce qui est bien, c'est que même si vous n'êtes pas très très grand, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, on va commencer à rouler cool. Donc, on peut passer les rapports très tôt, c'est ça l'avantage aussi de ces motos, c'est que bas dans les tours, alors ça fait pas comme un bicylindre, ça va pas taper. Là je suis à 2000 tours en 5e, à même pas 40. Je trouve ça vraiment top. Et je peux rouler tout en bas sur le couple sans forcer. Donc on a une moto qui a vraiment deux comportements. Soit on peut rouler vraiment très très couple et très très souple. On se laisse vraiment aller tranquillement, on se balade. Ou sinon, on peut se dire, bon, bah voilà, on va attaquer un petit peu plus. Mais ça, on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Que, en fait, il y a trois plages sur cette moto. Il y a la plage jusqu'à 4000, c'est vraiment cool. De 4000 à 8000, où ça s'excite un petit peu. Allez, on peut même décomposer 8 à 10, où ça va tirer un peu. Et au-dessus de 10000, là, on va vraiment s'arracher les bras. Ça va vraiment y aller. Mais sinon, pour une conduite cool, que vous vouliez utiliser cette moto tous les jours au quotidien, c'est vraiment pas un souci du tout. Pour aller au boulot, ou même juste pour essayer de faire des balades à la cool, eh ben ce sera super souple. On a un embrayage ici très très facile. On n'a pas besoin de forcer énormément dessus. Pareil, si vous n'avez pas les doigts très très musclés, c'est absolument pas un souci. Donc là, comme on peut le voir, si je me mets même les petits zigzags, c'est hyper sain, ça s'emmène vraiment tout seul, il n'y a absolument aucune difficulté à basse vitesse. C'est vraiment fait pour, hein. Hop, à gauche, droite, on esquive le petit truc, hop, ça y va, tout seul. Bah, c'est vraiment très très facile. Hein. On a une bonne position, je suis bien assis, je suis bien droit, je suis pas trop sur l'avant, pas sur les bras. Ça permet de ne pas être trop fatigué. Et ça, c'est pareil. Avec les roadsters, ce que j'aime bien, c'est que même si on est un poil sur l'avant, à partir du moment où on va rouler, parce que bon, le but, c'est pas de faire que de la ville, mais quand on va commencer à prendre un petit peu de vitesse, comme on va prendre de l'air, on va pas s'appuyer trop sur l'avant, puisque l'air, justement, va nous porter un petit peu le corps. Donc au final, moi, je l'aime vraiment bien, cette moto. Ça me rappelle la Hornet. Moi, j'ai eu deux Hornet 600, qui étaient un poil plus nerveuses à l'époque. Mais ça reste toujours aussi agréable ces 4 cylindres. Vous, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez les 2 cylindres, les 3 cylindres ou les 4 cylindres? Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien, souvent ce qu'ils me disent, la brutalité et le son du bicylindre. Alors moi justement, le bicylindre, justement ce bruit, je suis pas hyper fan. Et c'est souvent, c'est plus... Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, les 4 cylindres, je trouve que c'est quand même... Ça tourne plus rond. Allez, en double. On a assez de couple pour doubler facilement. Ça aussi, c'est le gros avantage en moto. Hein. Par contre, pour moi, le seul désavantage en moto, c'est qu'on va très vite, très très vite. On sent rarement la vitesse. Là, par exemple, je suis à 50. Je suis en 6. Voilà, j'ai l'indication ici de rapport. 50 en 6.
un petit peu moins de 2000 tours et ça roule vraiment bien, c'est confortable. Et même quand je tombe les rapports, la boîte est assez précise, les rapports passent bien et c'est pareil au niveau du sélecteur de vitesse, c'est plutôt agréable, c'est pas hyper dur. Il y en a certaines où on sent vraiment que ça s'engage, mais c'est super franc. Là c'est doux en fait, c'est on sent le petit clic et c'est pas trop dur, c'est pas trop mou, c'est ce qu'il faut. La commande de clignotant, elle est bien placée. Et comparé aux autres Honda là, que j'ai essayé ces derniers temps là, sur les scooters ou même sur l'Africa Twin, je le trouvais mal placé. Là, il est vraiment bien plus gros. On appuie bien dessus. Il tombe bien sous la main. Bon, en moto, on a très souvent le poignet droit qui démange. Hein. Donc bon, pour la ville, c'est plutôt pratique et efficace. En roulant tranquillement, elle est vraiment facile, elle paraît vraiment pas lourde du tout la moto. Et même la petite vue qu'on a ici, là comme vous pouvez voir sur le compteur, on a une vue très sympa. Hein. Le compteur nous donne toutes les infos dont on a besoin, le rapport engagé, les tours minutes. Alors les tours minutes, j'aurais peut-être aimé que ce soit un poil plus grand, qu'on le voyait un peu mieux. La vitesse, elle est bien affichée, en assez grand. On a les consommations qu'on peut avoir. Là par exemple, 45 km, j'ai fait 2 litres 1. C'est plutôt pas mal. Et même en 6, alors on a une reprise assez sympa. Ce qui est bien, c'est que c'est très linéaire sur le début. Et par contre, on va voir là, dès qu'on va aller sur les petites routes. En fait, il y a deux. J'ai l'impression qu'il y a 3 étages. Du début jusqu'à 6000. De 6000 à 8005 à peu près. Et ensuite jusqu'à la zone rouge. Et à la zone rouge, c'est là que ça s'emporte, ça s'emballe. Et là, ça devient très sympa. Oh, c'est vrai, la moto, on peut se mettre premier au feu. Ça, c'est le truc qui est vraiment cool là, avec la moto. Ça me manque avec les voitures, ça, des fois. Allez, un petit départ où on accélère un peu. Ça y est, on est déjà à 50. La moto, c'est vraiment n'importe quoi. Les accélérations, c'est toujours démentiel. Peu importe que vous ayez une très très grosse ou une moyenne comme ça, c'est toujours plus que quasiment n'importe quelle voiture. Le frein arrière, quand on touche, il pose bien la moto, ça équilibre bien. Le frein avant, on sent qu'il y a quand même un mordant assez sympa. Donc si j'accélère assez fort, hop, je freine. Donc on a l'ABS à l'avant et à l'arrière. Le but, c'est quand même d'éviter de les utiliser. On va voir dans un petit rond-point ce que ça donne. Hop. Non, c'est vraiment maniable. On n'a qu'une envie, la moto, c'est de la mettre sur l'angle. On fait attention aux traces d'huile et autres. Pour changer d'angle, c'est vraiment facile. À basse vitesse, c'est vraiment un vrai jouet. C'est un vélo, cette moto. Allez, on va aller se faire un petit bout où ça roule un peu plus, à 90. Donc, on relance gentiment sur le couple. On se met en 6. Et ça roule tout seul. Donc 90. On n'a pas de vibration. C'est plutôt pas mal. Ça roule bien. C'est super stable. On a une bonne position. Donc là, on commence à voir justement ce que je disais tout à l'heure. L'air qui nous porte un petit peu. On prend un petit peu d'air à 90, mais ça va, ça reste raisonnable encore. C'est surtout, si vous allez aller des vitesses bien plus hautes, là on va commencer à ramasser un petit peu. Mais c'est ça que j'aime bien avec les roadsters. C'est pareil, ça vous met une petite barrière au bout d'un moment. Parce que souvent, à partir de 120-130, on commence à se prendre pas mal de vent dans la face. Et ça permet de se calmer, parce qu'en moto, on va très vite, très très vite, comme je disais. Mais là, à 80-90... En 6ème, je suis à 4000 tours. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pareil. Si je veux zigzaguer un petit peu, je l'emmène avec le guidon. Je peux l'emmener avec les fesses. Ça se manie toujours aussi bien. Et la
accélération, c'est toujours fun. Donc là, on était en 3. J'adore cet endroit-là. Au niveau de l'écartement des jambes, ça va. Je sais pas si vous voyez, hein, mais on la tient bien, les repose-pieds sont bien placés. En tout cas, pour moi, quand je me mets ainsi, bah, je suis vraiment bien, j'ai les jambes qui sont serrées naturellement sur le réservoir. Donc ça me permet de bien tenir la moto et bien la sentir aussi. Je trouve que ça, c'est un plus. La selle, alors je suis bien collé contre le réservoir. C'est pas la plus confortable, mais ça va. Allez, on se fait un petit bout un peu plus rapide. S'insérer, c'est toujours plus facile. Je reste en 6. Donc allez, on va aller se mettre à 110. À 110, on est à 5000 tours. On prend un poil devant. Ça va, c'est pas trop non plus là. Ça reste encore confortable. On commence à avoir des légères vibrations dans la moto, donc grâce ou à cause du moteur qui tourne. Mais ça reste plutôt bien. Allez, sur une longue courbe. La suspension filtre quand même bien tous les petits défauts qu'il y a sur la route. On est pas mal. La moto, je l'emmène facilement. Elle met très en confiance, cette moto, je trouve. Même sur les rainures comme ça, ça a super bien tout filtré. Alors mon but là, c'est pas de prendre de l'angle au maximum. Moi, je suis pas un pilote, je veux pas aller poser la main. Mais on sent qu'elle est facile. Allez, juste après ça, on va arriver sur des petites routes sympas. Et on va essayer de s'amuser un petit poil plus, parce que pour moi, la moto, c'est ça. Hein. Plutôt qu'un outil de se déplacer, c'est plutôt un outil plaisir, les motos, pour moi. Bon, et comme vous pouvez le voir là, même en interfil, bah, franchement, regardez le vélo que c'est, la moto. J'ai un warning qui est bien situé, juste là. Regardez, je peux y aller. Le guidon est assez étroit. Donc ça passe vraiment partout. J'ai aucun risque, j'ai un bon freinage, j'ai mon ABS au cas où, et dès que ça reprend un petit peu, hop, on a des gens sympas qui nous laissent passer. Je me remets sur ma voie, mais c'est vraiment ultra facile, quoi. Même en interfile, enfin, on sent vraiment bien la moto. On n'a pas besoin d'énormément d'espace, même si c'est assez étroit, mais on va pouvoir y aller très facilement. Vraiment, hein. Ça saute de gauche à droite. Si j'ai besoin d'esquiver quelque chose, hop, hop, je peux vraiment, sans problème, faire ma vie avec cette petite moto. Et là, je gagne du temps. Oh là là, ça me manque pas la voiture aujourd'hui. Oh, dès qu'il y a des bouchons. Je sais pas pourquoi j'essaye des voitures, la moto, c'est tellement mieux. Que ce soit même dans ce genre de toute petite rue, ça y va bien. On peut tout esquiver. Même là, c'est pas mal dégradé. Hein. Au final, la suspension, elle fait bien son job. Même sur les chemins, je sens quasiment rien. Même en roulant sur les gros cailloux. Alors, c'est vraiment pas fait pour. Toujours avec mon pote qui m'emmène vraiment n'importe où. Il a cru qu'il avait encore l'Africa Twin. Allez, traverser les petits villages, même sur les gros dodanes. Bah, c'est pas très très ferme. Ça amortit bien. Elle est vraiment très très facile en virage. En tout cas, à la basse vitesse, on la place exactement où on veut. On va avoir un rythme un petit peu plus soutenu. En sortant du village, il y a des petites routes sympas. Mais là, c'est vraiment ultra agréable. Genre, ça donne qu'une seule envie. C'est de pencher à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et de s'amuser, comme si on faisait une petite danse. Et dès qu'on sort de la ville, ça devient tout de suite très sympa. Dès qu'on la chatouille un petit peu,
Oh, ça y va vraiment tout seul. Même comme un petit peu de rythme. Pourtant, on est sur une route qui sautille un petit peu là encore. Bah, ça y va franchement bien. On a un bon freinage, c'est safe et comme je disais, c'est toujours très progressif. Tombe de rapport. Ça y va bien. Et en sortie de courbe. Oh là là. Dès qu'on passe au-dessus des 6000 tours, ça commence à devenir excitant. C'est quand même une super moto. Elle est tellement facile à prendre en main. Même si on n'a pas forcément l'habitude de rouler assez vite, elle met vraiment en confiance. Donc on peut rouler soit sur un rapport assez haut, hein, en 5e ou en 6e, et on se laisse faire. On roule sur le couple. Donc on se balade tranquillement et on l'emmène à gauche à droite. Surtout sur ce genre de petite route. Ouais, c'est ce que j'adore. Pour moi, c'est ça vraiment une balade en moto. C'est... Et la moto, même tout court. C'est vraiment le plaisir. Tomber un rapport, accélérer un peu, faire des petits freinages. Accélérer. On n'a qu'une envie en fait, c'est ça, c'est de s'amuser tout le temps. Dès qu'il y a une belle petite ligne droite, ouais, c'est... Oh là là là. Dès qu'on passe vraiment au-dessus des 6000, hop, 10 000, oh, 10 000, ça pousse quand même énormément. Et il reste encore un peu plus de 2000 tours au-dessus. Oh là 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 là, ça y va bien. Ah, c'est quand même une moto très très sympa. Et elle est facile. Si on a envie de rouler tranquillement, et si on a envie de se prendre un petit peu de rythme, et ben c'est pas forcément plus dur. Je trouve qu'elle est accessible au plus grand nombre. Que vous soyez un bon pilote, ou comme moi, hein, juste un simple amateur qui aime bien se faire plaisir, sans forcément y aller trop fort. Mais elle rend la conduite facile. Et c'est surtout que c'est agréable. Et un roadster pour moi c'est encore plus agréable parce que quand il fait beau comme ça, il fait 26-27 aujourd'hui, ben on prend un petit peu de vent et ça fait du bien. On se balade, on prend l'air, on voit des copains, on voit plein de copains en moto. Et ça fait vraiment plaisir. Bon alors, cette CB650R, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est une moto vraiment facile, accessible à tout le monde. Jeune permis, bridablon à deux, full si on veut. Moi, je l'ai aujourd'hui eu en full. J'aime beaucoup. Ça rappelle un petit peu sa petite sœur, la Hornet, qu'il y avait à l'époque. J'ai bien aimé. J'ai retrouvé un petit peu ce comportement facile à emmener. Très, très maniable en ville. En bas, bas dans les tours, c'est très souple. On peut vraiment rouler en 6e en ville. Et quand on est sur des petites routes, on peut s'énerver, on tombe les rapports et ça monte jusqu'à plus de 12 000 tours. Là, c'est excitant. Une fois qu'on est haut dans les tours, bah, ça tire. On n'a qu'une envie, c'est de continuer tout le temps. Mais bon, il y a des choses que je ne peux pas vous montrer en vidéo parce que malheureusement, on est sur des routes limitées. Ça va très vite, ça va très vite, très très vite. C'est agréable, c'est souple, la suspension est top. Surtout sur les petites routes qu'on a fait aujourd'hui, ça tient très bien le pavé. Les pneus sont plutôt agréables. Bon, je ne les pousse pas dans leurs limites. Le style, le design, j'aime vraiment bien. Ce look un petit peu compact, café racer, le feron ici à LED, j'adore. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Et si vous, vous auriez une moto à choisir donc dans cette catégorie-là, donc soit en jeune permis ou pas, que vous soyez un homme ou une femme, dites-moi ce que vous en pensez de cette moto et vous, qu'est-ce que vous choisiriez? Personnellement, moi je trouve qu'elle va bien à tout le monde, qu'on soit débutant ou pas débutant, parce qu'on peut vraiment se faire plaisir avec et on peut rouler vraiment cool si on n'a pas envie
eh bien, de rouler vraiment vite. Mais cette moto, ça restera vraiment une moto très polyvalente pour moi. On peut l'utiliser tous les jours pour aller au boulot, ou on peut l'utiliser juste le week-end pour aller se faire plaisir, comme moi je le fais. Et puis, on n'a qu'une seule envie, c'est de remonter dessus et d'appuyer sur le petit bouton de droite. Oh là là, ça fait vraiment plaisir cette moto. Bon, je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao.